Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette halte de prière du soir. Prenons un temps de silence. Mon Dieu, mon Père, au soir de cette journée, un temps pour moi, avec toi et avec tous ceux qui, par ton esprit, sont en communion invisible. Notre Dieu, notre Père, au soir d'une vie offerte à chacun de nous, je proclame pour moi et pour tous mes prochains, Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Par sa croix, la joie est venue dans le monde. Jésus s'est levé du tombeau comme il l'avait dit. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Venez. Et adorons celui qui est vivant au siècle des siècles. Nous chantons avec toi, Seigneur, tous ensemble. Contemplons à présent le Christ. Je te contemple, ô Christ, toi Dieu vivant au milieu de nous. Le Christ Jésus, de condition divine, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme par son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il lui a conféré un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous chantons. Nos cœurs te chantent. Thank you.
Prions ensemble. Je t'en prie, Seigneur, ne te tais pas en face de moi. Si je frappe à ta porte par ma méditation, ouvre-moi. Si je t'interroge, réponds-moi. Si je t'implore, exauce-moi. Oui, tu le feras dans ta grande bonté. Tu le feras largement, pourvu que, lorsque tu parles, moi-même je ne détourne pas mon oreille. Car si on t'écoute, tu écoutes. Si on accueille tes avis, tu accueilles nos demandes. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute. Réponds à celui qui te parle. Amen. Cette prière nous a été proposée par le Père de l'Église, Isaac de l'Étoile. À présent, nous chantons comme un souffle fragile. Nous lisons dans la première épître de Pierre, en son chapitre 1, des versets 10 à 16. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint. » Et nous poursuivons notre chant comme un souffle fragile. Il est toujours si difficile d'entendre à l'avance ce qui pourrait advenir, à tel point que les annonces des prophètes de l'Ancien Testament
n'ont pas été considérés comme pouvant annoncer l'avenir. Et pourtant, ces hommes de Dieu qui sont chargés de parler à leurs contemporains ont cherché, trouvé et vu que derrière la souffrance du Messie annoncée se profilait la grâce de Dieu réservée à tous ceux qui, comme les compatriotes de Pierre, vivraient et verraient la gloire de Dieu. Puissions-nous entendre cela pour nous aujourd'hui, que derrière chaque tribulation se profile déjà cette grâce qui, accueillie par le moyen de la foi, se veut incorruptible et sans souillure aucune. Cela se pourrait, mais le propre de l'homme n'est-il pas de réinterroger sans cesse son rapport au divin, comme pour se réassurer de sa fidélité? Ce n'est pourtant pas faute de dire à l'homme avec un grand H qui le cherche, Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit est, je suis qui je suis, et j'étais qui j'étais, et je serai qui je serai. Ainsi pour le prophète passé, présent et à venir, celui avec un grand C qui est, et qui était et qui vient, ne change pas, car son amour est acquis à celui qui, comme lui, ne peut qu'être, qu'avoir été et sera. Dieu ne peut se séparer de l'homme, car il est en lui. Mais le besoin incessant du rendement, même face à son Créateur, la gloutonnerie des attentes pousse souvent l'homme à rechercher un retour sur investissement. Que d'énergie gaspillée pour un salut par les œuvres bien inutiles. Le renoncement. La sobriété, dit Pierre, est notre planche de salut. Car c'est en habitant sans cesse la méditation, en s'inscrivant continuellement dans le refus du jugement, que nous pouvons percevoir la beauté de la grâce, celle dans laquelle même les anges désirent plonger leur regard. L'Église que nous sommes connaît, a connu et connaîtra encore des épreuves, mais il ne tient qu'à elle de vivre dans l'allégresse espérance, en se tournant sur son passé, en piochant dans son présent. Elle construira un avenir empreint d'une grâce qui n'attend qu'elle. La spiritualité, entendant ici la réelle présence de l'Esprit-Saint, traverse ce que nous nommons le temps, car elle est inscrite dans l'éternité divine. Alors il nous faut nous ceindre les reins, nous habiller de cette faculté que Dieu nous a donnée de pouvoir mobiliser tout notre être afin de serrer la ceinture de notre foi. Il ne tient qu'à chacun de nous d'écouter, et donc d'obéir à ce beau projet de sainteté que Dieu a bâti pour nous. Ce n'est pas notre choix, c'est son choix, que de faire de chacun un être à part entière et entièrement à part, un être Dieu, fait par et pour Dieu. Se laisser convertir par cette phrase, « Vous serez saints, car je suis saint », est sans doute le plus beau cadeau qui dit Dieu à l'homme. Il décale, nous éloigne de nos convoitises et de nos consommations incessantes pour nous plonger dans le don de soi à l'autre. Il ne s'agit guère d'une pseudo-perfection morale qui serait encore une consommation idolâtrique, mais de la prise de conscience que nous pouvons être investis d'un ego téléguidé par nos idoles, dont les premières et les moins souvent avouées sont les envies, les convoitises et peut-être aussi cette condescendance que pourrait donner la foi. Alors au risque de faire de la grâce à bon marché, comme le disait le pasteur Bonhoeffer, souvenons-nous que nous avons humainement besoin, que chaque matin que Dieu fait, nous appelions en nous la sainteté, en faisant nôtre cette exhortation. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Observons un temps de silence. Prions ensemble. Je te prie, Seigneur,
pour moi et pour tous ceux qui, avec moi, sont saints. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, tes mains se sont ouvertes pour nous et nous voulons t'en bénir. Pour la communion de l'Église, où ton amour nous accueille et nous unit, Seigneur, nous te bénissons. Pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie, que ton amour nous a dispensée, Seigneur, nous te bénissons. Pour cet être nouveau que tu viens de dresser en nous vers ton royaume et ta justice, pour cette œuvre de ta seule grâce, Seigneur, nous te bénissons. Et maintenant, nous voulons te prier, remettre entre tes mains tous ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour. Pour nos bien-aimés, pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Pour tous les hommes, en particulier les douloureux, les solitaires, les accablés au cœur lourd, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Pour notre peuple, pour tous les peuples dans leur marche prophétique vers la patrie fraternelle, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Pour notre Église et pour toutes les Églises, pour ceux qui savent ton amour, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui te méconnaissent, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Et tous nos cœurs, unis dans la même foi en toi et la même consécration à ton service, élèvent vers toi dans la communion de l'Église universelle la prière totale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chantons ensemble, marche en ma présence. J'accueille maintenant pour moi et avec tous les saints la bénédiction de Dieu sur son peuple. Dieu le Père nous bénit. Il est l'espace où nous vivons. Jésus-Christ le Fils nous bénit. Il est le chemin où nous marchons. Le Saint-Esprit, puissance de Dieu, nous bénit. Il est la lumière qui dirige nos pas avec confiance. Amen. Nous terminons notre soirée avec les strophes 3 et 4 du chant « Marche en ma présence ». D'ores et déjà, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à dimanche en communion invisible durant le culte.